Bonjour. Alors, nouvelle étude tirée de la méthode de Bottesini. Vous avez vu, là, on a toujours les mêmes coups d'archet. Donc, en fait, l'étude, c'est un peu là-dessus. On a trois notes liées et trois piquées. Trois liées et trois piquées. Et le problème, c'est de retourner toujours au même endroit de l'archet, c'est-à-dire au talon. Parce que si on fait rien, en fait, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire, au bout de quelques mesures, on a fini l'archet. Donc, c'est un coup d'archet asymétrique. On tire une fois, et après, on a pousse, tire, pousse. Et sur les dernières poussées, c'est là qu'on va projeter l'archet vers les talons pour revenir toujours au même point de départ. Je joue là où je suis, et je projette sur la dernière note piquée, je lance l'archet vers les talons. Je joue où je suis, je projette l'archet. Où je suis et sur la dernière et ainsi de suite, c'est toujours la même chose. Au niveau des doigtés, c'est notre étude qui nous permet de travailler beaucoup sur la préparation des doigts, c'est-à-dire de préparer un doigt qui est libre sur une autre corde, et c'est ça la logique qui a guidé les doigtés que j'ai écrit. Donc je vais faire très lentement, on commence en demi-position. On pourrait commencer en première position avec les fa avec le deuxième doigt. Mais je préfère commencer en demi-position pour avoir déjà plus facilement les doigts sur les premiers doigts libres pour être sur la troisième corde et aller prendre les do à la deuxième mesure. Donc ce que je fais, c'est ça. Demi-position. Et là, j'ai les premiers doigts sur les si bémol qui va se déplacer pour prendre les do. Et là, en deuxième corde, j'essaie d'éviter de sauter une corde, donc de jouer entre la première et la troisième tout de suite. J'essaie toujours de rester sur deux cordes adjacentes, ce qui nous fait plus de changements de position, mais c'est plus compact pour le rythme de l'archet. Donc, je reviens encore une fois du début. Je prépare les do. Là, en deuxième corde. Si bémol aussi en deuxième corde, bien signalé. Là, c'est un autre cas comme ça. Les premiers sol à la mesure 7, je les joue à vide, après mi. Et puis, le deuxième sol, je les joue sur la deuxième corde pour avoir sol, do, juste à côté. Et pas. Parce qu'en vitesse, ça va devenir très maladroit. Donc je le fais à partir de mesure 7, je change de position, ce qui me ramène à la mesure 9 qui est le début, comme les débuts. Même chose pour les do ici, même chose pour les la ici. Bien signalé. Après, les sols à mesure 17 en deuxième corde, on essaie d'éviter d'aller les gâteaux de changement de corde, donc ça tout en deuxième corde. Pareil. Harmonique, ce qui nous permet de lancer la main sur les si bémol en première corde. Ici, pareil, sol do. Donc si je rejoue la mesure 23, deuxième corde, troisième corde. Ça aussi, je l'ai pu faire avec la corde à vide. Je trouve plus compact faire tout sur la même corde. Et ça, c'est intéressant. La mesure 29, do dièse avec les 1, et puis les deuxièmes doigts, je ne les mets pas avec la pointe du doigt, mais je mets un barré qui me prépare déjà les la suivants. Donc, je vous joue la mesure 29,
Do dièse, normalement avec le premier doigt. Après, Ré et La ensemble. Vous voyez seulement avec les deuxièmes doigts aplatis. Si, La, Si. Fa, Sol. Ça, c'est la même logique. À la mesure 31, en deuxième corde, les La. Et pas en première. Ça marche pas très bien. Là aussi, les deuxièmes doigts, moi je le mets comme en barré. Ça fait bizarre la voix parce qu'on a les doigts aplatis alors que normalement on essaie d'avoir les doigts bien arrondis. Mais dans ce cas-là, on a Fa, Do, Mi, Do, Fa, Do, Mi, Do. On n'a pas besoin de faire ça à chaque fois pour prendre les Fa ou les Do. Donc c'est déjà en position. Les Mi, par contre, ils restent toujours, les premiers doigts, ils restent toujours sur les Mi. Ce qui fait que si j'enlève les deuxièmes doigts, les Mi est toujours déjà prêt.